C'est une catastrophe. Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est le confinement toujours et on n'est pas prêt d'en sortir. Bien évidemment, vous voyez que cette touffe là ne fait que grossir et je me suis dit pourquoi pas les amis, Pixia me couperait-elle les cheveux? Alors j'ai longuement hésité à faire cette vidéo car je me suis dit à quoi vais-je ressembler? Vais-je être défiguré? Je n'en savais rien. Pixia, bonjour. Salut. Alors Pixia, es-tu prête à me rater, réussir? Ouais. Ok, tu as regardé des tutos, quelque chose, ou pas du tout? Un petit peu, mais je crois pas que ce soit le même matériel. Mais c'est du matériel de coiffeur que j'ai acheté. J'ai peur. Alors ça, c'est une tondeuse. Ouais, mais comment tu fais pour régler? Ben en fait, là, j'ai mis un sabot déjà. De 9 mm. Mais 9 mm, c'est trop, non? 9 mm, c'est pour les côtés. Ben, je voulais faire à 6, mais franchement, en fait, en gros, ma coiffeuse me fait un dégradé. 6 vers 9 et au-dessus juste assez pour les relever. Le problème, c'est que toi faire un dégradé. Les amis, on va peut-être pas tenter, non? Je sais pas, j'ai peur. Les amis, en tout cas, si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, déjà pour mon courage. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous kiffez un peu ces petites vidéos, voilà, qui sont hors jeu vidéo. N'oubliez pas aussi de mettre une note en commentaire sur la coupe que va me faire Pixia. Bon, bien entendu, après l'avoir vue, hein, ne la jugez pas dès maintenant. C'est parti, on n'a plus le temps. Bon, j'ai vu que d'autres personnes aussi avaient fait cette vidéo. Bon, normal, hein, les coiffeurs sont fermés, ça donne cette idée. Est-ce que tu peux me mettre mon petit tablier, genre? Voilà, moi je suis chez le coiffeur, je suis là, tranquille, j'attends. Merci. Alors, voilà, déjà ça commence bien. Oh, oh les gars, j'aurais jamais dû faire cette vidéo. Regardez, c'est bon, on a carrément le tablier et tout. Vous imaginez? Vous imaginez? Cette vidéo est un gros budget, hein. Oh là là, la coupe que j'ai! Oh, franchement, c'est limite compliqué de faire pire, là. Sur les côtés, il me faudrait 9 mm, s'il vous plaît, madame. Mais ces petits bouts, là, on les enlève. Ah! Pourquoi vous me tirez les cheveux? Vous êtes con? Ben, normalement, avec la tondeuse, elle, tu vois, elle essaie de faire un trait droit derrière. Oh, j'ai très peur, en fait. J'ai peur de te couper quand j'enlèverai. Tu peux pas normalement me couper, alors s'il te plaît, concentre-toi. Attendez, les amis, faut que je vous montre le petit set coiffeur aussi que j'ai acheté pour cette vidéo et pour le reste du confinement, parce que, bon, espérons qu'elle me réussisse, comme ça, elle pourra me couper les cheveux par la suite. N'oublions pas que Pixia est banquière et non pas coiffeuse d'origine. Ok, donc déjà, je dois penser à la tête? Ouais, je pense. Ok, ok. Oh là là, et là, c'est une catastrophe, je sens déjà. Pourquoi? Déjà, tu trembles comme je sais pas quoi! Mais non, c'est le truc qui tremble! C'est parce que t'as pas le crâne droit en fait! Bah heureusement, t'as cru que c'était un morceau de carrelage! C'était plat ou quoi? Putain, qu'est-ce que t'as les cheveux longs, c'est abusé! Mais oui, ils sont longs! C'est pour ça, je compte sur toi, t'es ma dernière chance! Y'a Newton qui va bouffer tes cheveux! Hein. Attends, il est pas aussi débile pour manger les cheveux quand même! Il renifle! Non, c'est bon! Newton! Non, mais il les mange! Oui, il a les dents! Mais Newton! C'est moi, il a compris que c'était pas bon, je crois. Non, franchement, je gère trop, quoi. Franchement. Ok, et pour l'instant, ça a l'air pas mal. On va passer 3 heures à faire le derrière, tu sais. Là, je ressens un peu les trucs de ma coiffeuse. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh. Je ressens les gestes. La gestuelle. Newton, tu touches pas. Mais il a un vrai problème, celui-là. Il est tellement affamé, en fait, qu'il mangerait même mes cheveux. Enfin, heureusement que je suis pas mort, hein, il me mangerait entier. Les amis, n'oubliez pas, hein, faut me mettre une note, enfin faut mettre une note à cette coupe de cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça, Izzy? En fait, il a jamais vu ça, vu que je me suis jamais coupé les cheveux ici, quoi. Oh là là, mais t'as un problème, mon gars. C'est pas normal, hein. Pitié, je paierai ma coiffeuse beaucoup plus cher. Je vous paierai 3 fois le prix, mais revenez chez moi. La coiffeuse, elle va me revoir, elle va faire, mais vous êtes coupé les cheveux vous-même ou quoi? Je vais être là, non, non, c'est un professionnel qui me l'a fait. C'est trop drôle. La meuf est trop contente, sauf que moi je suis vivant, je suis humain, j'ai des sentiments. Elle veut juste rire et me ridiculiser. T'es ma petite poupée. Eh, pour toi, pour l'instant, toi, tu te notes combien, là, pour ta prestation, là? 8. Putain, c'est rassurant, t'aurais pas pu dire 9,5, parce que ça m'aurait déjà plus rassuré, quoi. Le pire, c'est que si tu me rates le haut, on va être obligé de faire une boule à Z. Non, mais non. Bah vas-y, filme les dégâts, hein, filme les dégâts.
Bon alors voilà, malheureusement ici j'ai un peu trop coupé et quand ça va repousser ça fait un petit peu bizarre. En fait j'aurais dû attendre jusque là je crois. J'aurais dû couper jusque là je crois en fait, mais bon c'est comme ça. Tu sais comment elle a fait ou pas ma coiffeuse? Elle prend et elle coupe là. Ah pas du tout. Déjà c'est ma partie. En fait bah, elle prend mes cheveux comme ça, ouais. Elle met son doigt comme ça, donc bien plaqué sur ma tête, et là elle coupe l'excédent. Voilà, mais elle coupe comme une feuille de papier. Ouais, sur les côtés, machin. Bon, pour l'instant, ça va. Tu vois, ils étaient longs quand même. Bah, ils sont super longs, ouais. Je sais pas, ils ont poussé en 2-2 là. Je sais même pas quand c'est la dernière fois que je suis allé chez le coiffeur. Bah, du coup, moi je discute avec ma coiffeuse. Ah, voilà. Ça va? Oui, et vous? Oui, ça va super, ouais. Vous avez des voyages prévus? Non, et vous? Bah, non, il y a le coronavirus. Bah, oui. Réfléchissez, quoi. C'est ça, vous êtes un peu con de me poser cette question. Attendez, vous venez de m'insulter. J'ai répondu par politesse, mais... Vous venez de m'insulter ou c'est comment? J'ai l'impression de rêver, là. Oh, vous m'avez mis une calotte, là. Non. D'accord, j'ai cru. Par contre, j'aime pas trop quand vous rigolez et que vous me coupez les cheveux. Désolé. Genre, j'ai l'impression que vous me ratez. Non, je fais mon travail, bien sûr. D'accord, d'accord. J'ai hâte de voir le résultat. Ah, je vous comprends. Un chef-d'œuvre. Je sais pas, vous l'avez dit sur le ton ironique ou... Ah non, non, non. D'accord. Bon, vraiment. Déjà, pourquoi vous me cherchez des poux, quoi, là? C'est... Franchement, ouais. De loin et en petit, ça a l'air bien. Ok. De près, à la loupe, ça doit être horrible. Ouais, de près, voilà. En fait, je sais pas, ça fait des escaliers. Ah. Des escaliers? Bah ouais, je sais pas. Oh! Oh là là! Oh là là! C'est une catastrophe! Non, vraiment, c'est une catastrophe! Non, mais là, tu m'as raté la vie, là! Oh, oh mon Dieu, c'est horrible! Oh, ça fait n'importe quoi, hein! Comment c'est moche! On dirait qu'il y a des trous et tout! Je vous jure! Oh là là! Mon Dieu, je vais devoir me faire le contour des oreilles et tout, mais là, je crois que c'est bon, elle les touche plus, là, mes cheveux, parce que là, c'est la cata. Est-ce que tu me trouves beau? Bah oui, moi, je trouve que ça va. En fait, je trouve que ça va parce que j'ai pas... Enfin, oui, c'est mal fait, oui, c'est trop court, mais c'est pas non plus... ça va, tu perds pas ta tête, quoi, enfin... Non, franchement, je gère trop, quoi, franchement. J'ai failli la perdre, j'ai failli. Bon, bah les amis, écoutez, on va faire comme ça, hein. Je vais essayer de rattraper les dégâts. Vous verrez ça en vidéo ou en live, hein, si j'ai rattrapé les dégâts. N'hésitez pas à mettre une note, s'il vous plaît. Regardez, je vous ai tout montré. Voilà, ça c'est bon, ma tête. Ça, il faut que je le coupe. Ou voilà. Qu'il le coupe, parce que bah, du coup, il veut plus que je le touche, mais voilà. Et ça, c'est devant, voilà. Après, c'est de sa faute, il a des endroits où il a pas de cheveux. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est immonde. Ah, mais j'ai pris du temps pour toi. La meuf, je lui ferai cette coupe, elle sera en train de hurler dans la maison, le chat il serait déjà passé par la fenêtre et tout. Alors écoutez les amis, là franchement je suis serein et calme, c'est une idée de vidéo que j'ai eue et puis voilà, écoutez c'est la vie, hein. Bon, j'espère que vous m'aimerez toujours, passez une bonne journée ou une bonne soirée, adieu.